Mikili TV. Yo 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 yo, force Mikili TV na yembelao. Fox Mikili TV. Bisonyeso, tous s'abonner massivement na Force Mikili TV. Fox Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna. Ils ont appris que je suis en prison, ils ont repris les gars. Comment on peut dire qu'on est en train de construire un état de droit? Regarde comment un individu construit dans la rue. Regarde. Regarde les limites que l'État lui a données. Il prend plus d'un mètre dans la rue. Regardez. Et ils ont appris que je suis en prison. Et voilà, ils ont continué. Ils avaient arrêté les travaux. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez, regardez. Par où ils ont l'autorisation? Ben, posez-moi la question, regardez-moi ça, regardez les limites, regardez. Ils construisent dans la rue, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez. Je suis venu ici, j'ai amené le président de l'Assemblée provinciale ici. Exactement comme à Vigiana, ils apprennent que je suis en prison. Allez! Et vous dites que vous allez changer le pays comme ça. Quand les citoyens construisent comme ça, c'est un message. Ça signifie que l'État n'existe pas. Donc celui qui construit ça est convaincu que l'État n'existe pas. Celui qui construit ça. Il s'est dit, l'État n'existe pas. Je peux, moi, me réveiller le matin, déborder, aller au-delà de ce que l'État m'impose. Voilà. Regardez-moi ça, regardez. Voilà. Celui-là, ouais. Il a construit dans la rue, on peut comprendre. C'est du précaire, c'est juste une terrasse, c'est compréhensible. À tout moment, la ville peut décider. Lui, là, il construit un dur, un étage en plus. Dans la rue, dans la rue. Regardez les limites, c'est depuis là-bas. Juste ici, regardez. Non, il se réveille un matin, il dit, bon, ok, il n'y a pas d'État au Congo. Voilà. Oui, Moukeba est parti, il est en prison. Bon, c'est quoi, bon cannabis. Voilà, c'est un privé. On peut dire ça, mais c'est la femme d'un général. Regarde. Mais c'est très bon, au moins je suis de retour. Ouais, je suis de retour. Non, ça c'est un message que je suis venu lui faire passer, que ça ne se passera pas comme ça. Cet immeuble sera détruit, démoli. Clair, ça sera de... S'il continue à construire, c'est à ses pertes et profits. Ça sera démoli. Ça sera démoli. Si ceux qui sont à la tête de la ville de Kinshasa ne le font pas aujourd'hui, dans 5 ans, on démolira ça. Tout ça, ça sera démoli. C'est un message clair que je suis venu vous faire passer. Ça sera démoli. Tout ça, ça sera démoli. C'est à ses pertes et profits. C'est son problème qu'il continue à construire. C'est son problème. C'est son problème. Je suis venu ici. L'institution sait qu'il y a un problème. Le président de l'Assemblée provinciale est venu ici. En fait, ils font semblant. Moukeba, il n'est pas là. Allez. Vijana, je me bats, on arrête les travaux, je ne suis pas là. Gentini complice dedans. C'est le parrain de cette affaire. Il doit répondre un jour politiquement de la mort de Koupa. Il doit répondre politiquement. Gentini. C'est lui qui a tout planifié. C'est lui qui a tout commandé. Mais voilà, je ne suis pas là, ça conduit à la mort d'homme. Donc ils ont profité de votre arrestation. Je suis venu ici avec Godem Poi, en personne, ici à cet endroit. Ils avaient arrêté les travaux. On m'arrête, hein, ils se frottent les mains. Ben voilà, maintenant, on peut. Et l'institution à laquelle j'ai soumis le problème, ma propre institution, oublie le problème. Godet oublie que nous étions venus ici. Et Gentini, il fait quoi dans la ville? Que quand des particuliers construisent comme ça sous l'emprise publique,
Ça signifie qu'il n'y a pas d'autorité dans la vie. Exactement. C'est un message qu'on vous envoie. Boulamata et Azate à Koufa. Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi? Il est gouverneur de quoi? De qui? Quelle démarche vous allez en faire? Il va arrêter ses travaux de lui-même. Ça, ce sont des petits problèmes. Il va arrêter ses travaux. C'est parce que les autorités sont préoccupées par autre chose que par le problème de son voilà. Que ça se passe comme ça. Il avait déjà arrêté. Il va arrêter. S'il continue, c'est son problème. Ça, c'est pas un profit. Il va prendre son argent, c'est son problème. Tu sais, nous étions déjà avancés. Le ministre de provincial de travaux publics était saisi et lui restait simplement à procéder à la démolition. Non, monsieur maintenant construit, ou madame construit. Et j'apprends d'ailleurs, j'ai entendu, et c'est pourquoi je suis tout de suite venu hier, mes électeurs sont venus voir, dit, là-bas ils sont en train de se frotter, ils étaient en train de se frotter, mais ils disent, il va pourrir en prison et nous on va avoir le temps de terminer notre édifice. Voilà. Mais à quoi ça sert là, ce gouvernement provincial? Cette assemblée, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Les gouverneurs de la Gentilingo. Ça, c'est un défi contre l'État. Ça, c'est un défi. Ça signifie que les gens disent Toko Salandé et Toli. C'est ça, c'est ça signifie. C'est un défi contre l'État. J'ai pas de questions, monsieur. J'ai pas de questions à répondre. J'ai pas de questions. Ça va s'arrêter, ça. Ça va s'arrêter. Monsieur, ne vous énervez pas. Ça va s'arrêter. C'est illégal. C'est illégal, vous allez vous énerver pour rien, vous ne ferez rien. C'est illégal. Ça va s'arrêter, ça sera démoli. Apprenez à être de bons citoyens. Vous construisez dans la rue et vous me posez la question, qu'est-ce qu'il va dire? C'est que je vais dire, c'est que je vais utiliser les moyens de l'État. C'est l'État qui va agir ici, c'est pas moi. L'État va agir. C'est illégal, tout le monde le voit. Hein? Les gens construisent dans la rue comme ça. Apprenez à respecter l'État, à aimer votre pays. Vous êtes dans l'illégalité et puis vous gonflez, vous bombez les torses. C'est terrible ça. C'est illégal ça. Il n'y a même pas à aller chercher je ne sais quels experts. Regardez, les limites sont là. Et un matin, les gens se réveillent. Je sais qui a donné l'autorisation. Sans Monica, vous comme si les cas n'existaient pas. Hein? Ça, c'est un défi. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Que tous les autres là-bas avancent jusqu'ici. Et puis un matin, quand on vous aura laissé faire comme ça, allez, vous allez avancer là. Et puis sur les rats. Ça sera là. Au nom de l'État. L'État démoire. C'est fini cette histoire. Je vais m'en charger moi-même. Je vais prendre ça à cœur. En fait, j'aime celui qui fait ça. Je lui demande d'arrêter pour ne pas perdre son argent. Et il finira par perdre. Dans 5 ou 10 ans, il perdra. Il perdra. Si ce n'est pas aujourd'hui, s'il a des appuis, il perdra un jour. Alors je l'aide au moins, je le préviens, je dis mon frère, je suis ton compatriote congolais, je t'aide, arrête de construire, sinon tu vas perdre ton argent. Bon, 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 voilà, on va y aller. T'as vu ça? Oui, j'ai vu. Comment tu peux expliquer ça? Incroyable, inconcevable. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous avez un gouverneur de la vie et un individu se réveille un matin. Ça fait 2 mois et 2 mois. Ça fait 2 mois et 2 mois. Et vous avez un monsieur appelé Jean-Claude Lepina qui se promène avec les moyens de l'État, trois portails, tout ça. Regarde ce que les particuliers font.
et pour clarifier, en quoi est-ce qu'il est impliqué directement, le gouvernement de la ville? Mais écoute, mais ça signifie qu'il n'y a pas d'autorité dans la ville. Il n'y a pas d'autorité de l'État dans la ville. Pour qu'un citoyen fasse ça, mais lui, il a un gouvernement. Ici, le gouvernement, ça doit nous rendre compte. Il n'est pas au courant. Il y a un individu qui construit dans la ville. À côté là-bas, il y a une maison, c'est le chef du quartier. Est-ce qu'ils ont d'abord l'autorisation de la ville? Qui va accorder l'autorisation de vivre dans ces conditions? Tu peux comprendre que c'est une construction d'architecture. Bonjour. Il y a un bureau du quartier ici. Là. Le bureau du quartier au courant. Et a dû remonter l'information. Et le gouvernement est supposé avoir informé le gouverneur. Moi j'ai fait 7 mois en prison. Donc ça signifie que le gouverneur est bien au courant. Donc en fait, il est là, puis il ne préoccupe pas autre chose qu'au problème des Quinois. C'est cela? Il ne préoccupe pas autre chose. Regardez ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé à Bruxelles. Aussitôt que j'ai été arrêté, allez, le grand commanditaire Jean-Kéning au village, qui est à son ministre, monsieur, tu peux céder ces terrains-là. Il y a eu mordant. Et personne ne l'a interpellé, surtout pas à l'Assemblée. Il est responsable politiquement. Comment vous êtes senti d'abord? Vous avez appris en fait que c'était délaissé et il y a eu mort d'homme après. Je me suis senti très mal, très mal, très mal. J'ai eu cette mort sur la conscience. Je me suis dit, mon Dieu, que j'étais dehors, ça n'arriverait pas. Je porte cette mort sur la conscience. Parce que lui, il est tranquille, chez lui, il s'en fout. C'est lui qui a tout commandité à Vigana. Qui agit, son ministre agit sous sa responsabilité, c'est bien lui. Personne ne l'a interpellé, je ne peux pas l'assembler, il n'a jamais répondu. Il répondra un jour, politiquement, c'est lui le responsable de la mort de Koubou. À Vigena. Il a fallu que quelqu'un. Donc ici, on doit attendre que quelqu'un meure pour arrêter le problème. Ça, c'est un défi contre l'État. Ça, ça ne peut plus se faire. Quand tu arrives dans un pays, quand tu veux voir le niveau de sérieux dans ce pays, c'est avec l'État. Quand tu vois qu'un individu se réveille en Italie, que l'État lui a demandé de s'arrêter ici, il va prendre cela. Ça signifie que cet individu sait que l'État n'existe pas. Bah, Congolais, bah, il va dire que l'État, ça va être beau. Dans un pays sérieux, tu le fais à 8h, à 8h30, tu es démoli, à 8h05, tu es arrêté. Voilà. Et il est tranquille. Et t'as vu, ils sont même là, ils me défient. Hein? Ils sont là. C'est merveilleux. Les plus pauvres, il y avait un marché ici. Pour les pauvres, ça a été détruit. Et lui, quand il construit là-bas, l'autorité ne va pas. Il y avait un marché ici, moi j'ai grandi à l'époque ici. Marché, là. Ici, là, où c'est de tout ça? Il y avait un marché. Sous prétexte qu'on va réhabiliter la voie ferroviaire, ça a été détruit au moment où il y a le marché. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Mais voilà, il y a un individu purement puissant pour ce somme, c'est la femme d'ingénieur. La femme d'ingénieur. Il semble qu'elle est proche de Fachi. Hein? Ce qu'on dit, proche de Fachi. Il semble, c'est déjà. Ça va s'arrêter, ça passe pas là. Mikili TV. Yo 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 Force Mikili TV na yembelao. Fox Mikili TV. Bisonyeso to s'abonner massivement na Force Mikili TV. Fox Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna.